Hello, my friends. Welcome to Double J Amazing English Academy. Today, we're going to teach you how to speak English in 6 months. Ouais, je vais galérer. Je dis à la, nous voilà l'apprendre comment on peut parler anglais dans 6 mois. 6 mois, oh. 1, 2, 3, non, sorry, excuse-moi, excusez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 mois. Dans 6 mois, vous pouvez parler anglais. Sous suivre le séminaire, je vais faire pour là, de commencement, de coulière, jusqu'à la fin. Pas oublier, non? Vous allez suivre jusqu'à la fin. Vous connaissez nous. Nous aimons que le bagage commence, nous pas fini. Maintenant, pour nous parler anglais rapide, dans 6 mois, vous devez prendre un séminaire, ça, vous devez suivre la vidéo ça, de commencement jusqu'à la fin. Ok? Et vous avez fait tout, vous devez inscrire dans le canal ça. Ok? Vous avez pour qui ça m'a dit pour inscrire? Vous avez inscrit, vous avez activé. Petite cloche là, ok, pour capable recevoir tout l'autre séminaire, pour capable recevoir l'autre coup gratis m'a fait sur canal. Canal ça nous dit coup gratis en anglais, coup gratis français, et coup gratis portugais, et coup gratis créole pour blanc qui voulait apprendre créole, pour brésilien qui voulait apprendre créole, et puis nous gagnons de bagailles spirituelles. Kana sa li genyen de tip de bagay mwen mete sou li. Spirituel et éducationnel. Se de tip bagay ke mwen pense ki très important pou et humain. Et l'autre bagay tou, mais même mwen choisi mete de tip de bagay. An ale, nan pral et continue ensemble avec séminaire nou pou matin kote ke ou pral apren pour parler pour anglais dans combien de temps dit et ça dans 6 mois quand on capable apprendre parler anglais dans 6 mois dit non bienvenue déjà how to speak english in 6 months comment capable apprendre portugais dans anglais en 6 mois. Comment capable apprendre anglais en 6 mois? Nous besoin faire une question pour nous besoin poser une question. What is English to you? L'aimer participer dans séminaire pour me faire progrès pour me capable avancer, faire effort dans l'anglais et te poser une question ça. Qui ça anglais y est pour moi? Parce que sous pas connaître qui ça anglais est d'après où ou pas apprendre c'est même gens et sous pas connaît importance fille ou pas connaît sa fille dans la vie yon moun ou pas besoin fille sous pas connaît importance manger qui ça manger est ou pas manger eh bien sous connaît qui importance anglais eh bien ça veut dire pour le faire tout ça dépend de vous pour capable apprendre anglais. What is English to you? L'aime te participer dans séminaire, te participer à premier réponse moi-même te bail, m'te dit English is a commercial language. De dit anglais c'est une langue commerciale. Maintenant, et professeur qui t'a fait cours séminaire pour nous qui t'est sorti aux États-Unis hein lui t'a dit non réponse pas là réponse pas non t'es bon mais réponse pas là t'a dit English is a worldwide language ça veut dire anglais c'est une langue mondiale il pas dit anglais pas commercial anglais sont le commercial mais lui même là le plus loin il dit donc que anglais c'est une langue mondiale, c'est une langue qui universelle. Parce que
Et si moi était seulement dans commercial, on va dire ah moun qui veut besoin apprendre anglais, c'est moun qui fait commerce. Pas vrai? Et bien l'on met dans tête que anglais son langue est mondial lié, quel que soit koto alé a, ou ap jwenn et yo parle anglais, eh bien laisse ça ou ap dégage pour apprendre anglais. Sous son monde qui remet voyager, sous son monde qui gagne rêve pour voyager. Par exemple, l'aime d'abord entrer dans le Brésil, je ne connais pas le portugais. Alors, on a excusé pour partenaire Capriya, M. Gado Bayanda, là, africain, et puis le Gado Bayanda, oui, parce que nous n'avons pas de problème pour la Bria. Il existe dans la chambre de l'eau. Ok, l'aime vivre au Brésil, je ne peux pas parler portugais. Et moi, je suis venu au Brésil avec un groupe haïtien. Là, nous arrivons à Belo Horizonte. Nous tout perdu. Nous pas contre si pour monter, si pour descendre. Les Brésiliens ont parlé ensemble avec nous, ils voulaient aider nous. Nous pas comprendre. Et puis nous-mêmes, nous parlé créole, nous parlé français. Pas quelqu'un qui parlait français, pas quelqu'un qui parlait anglais. Moi, je marchais dans un port là. Je me posais une question. Vous savez parler anglais? Vous avez appris un petit mot ça? Tout le monde m'a posé question, vous savez parler anglais? Non. Et puis, chance pour moi, je suis arrivé côté un monde qui t'a servi un monde sur un escritoire, dans un bureau libre. Et puis, il me dit, vous savez parler anglais? Monde qui t'a dans un bureau, pas parler anglais, mais monde qui t'a venu dans un bureau, venu côté là, parler anglais. Ouais, comment ça sauve? Et puis il me dit, do you speak English? Say yes, I do. Et bien c'est comme ça, de parler ensemble avec elle, et puis il traduit pour nous toutes, et puis il te sauve nous connaît qui ça pour nous faire. Imagine on est dans l'aéroport, t'es gagné haïtien, malgré que t'es pesé, dépassé, t'es gagné l'autre haïtien, billet au t'es bout, seulement de Belo Horizonte, et t'es dit d'avoir les juste Manaus. Eh bien, à l'aide de yon moun moun rencontre qui parle anglais dans l'aéroport, moun résout problème tout le haïtien yo, et puis moun résout problème pas moun. Ou est-ce que j'en ai important pour parler anglais? Parce que anglais is a world word language. English is a world word language. Ok? For why you need to speak English? Pour qui ça voulez apprendre anglais? Speak English increase your chance to have an excellent job. Lò parle anglais, li ba ou chance pou kapab gen pi gros travail. Nou konnen sa deja. Pa vre? Moun ki parle anglais, li gen chance pou touche plus ke moun ki pa parle anglais. To speak English, you will feel more confident and self-sufficient. Lò parle anglais, ou soti ou estime monter ou ça tu pas n'importe monde et réellement monde qui parle anglais pas n'importe monde qui parle anglais l'esprit est plus développé que un monde qui pas parler anglais. Moi me témoin de ça parce que moi arrivé au Brésil moi pas parler le portugais mais à l'aide de l'anglais que me t'ai parlé et bien me t'ai senti estime en l'autre façon moi t'ai gardé mieux en l'autre façon parce que gen là de qui pas parler portugais, qui pas parler créole, qui pas parler français, mais qui parle anglais, les rencontrer ensemble avec eux, yo valoriser. Pas qu'on comprend non, c'est-à-dire l'important pour parler anglais ou même pour capable valoriser notre société parce que anglais son langue qui universel. Is it a big challenge for you to speak English in 6 months? Yes or no? Est-ce que c'est un gros problème la pied pour ta ou bien difficulté la pied pour ta parler anglais dans 6 mois? Oui ou non? Ah, on connaît bien pile monde, c'est un pile problème pour ta parler anglais dans 6 mois. OK? L'aime dit entre Brésil, m'te dit m'a parler portugais dans 2 mois. Chose dit, chose faite. Et me parler portugais à vrai dans 2 mois. Sous 2 mois, je travaille. Je suis avec le patron. Je parle de l'imam de combien de temps au Brésil. Je me dis que c'est 2 mois au Brésil. Il dit, vous avez 2 ans ou 2 mois? Je me dis, non,
2 mois. Il dit, comment même? Comment frère, vous avez 2 mois pour parler portugais comme ça? C'est-à-dire qu'il y a l'autre haïtien qui est ici, qui a 4 ans, il n'a pas parlé d'un coup. Et puis, m'expliquer, me dit, bon, moi parle plusieurs langues, là, moi, c'est pour me parler 7 langues, et puis, je dis, moi, il faut me parler portugais dans 2 mois, et puis, moi, je connais le principe, moi, je connais le secret, et même, je vais partager ensemble avec nous là, et bien, je vais appliquer, et bien, moi, je consigue, moi, arriver à parler portugais dans 2 mois. Et puis, il dit, parabéns, parabéns, vous êtes au cara. Il dit, félicitations. Ou se nek sa ke mbezwen, ou se ou kara. E pi li pren mi ou telefon mwen, li pren kurikulum mwen, e pi li relem, li bon travay. Bon mou bagay anko. Ou kon sa bel la, nan, travay li fonksyone le samedi, mwen men msi Adventis. Le mwen ven nou travay, le mwen fin pase interview, le mwen di msi Adventis, mwen pap ka vin travay le samedi, msi kriye. Je dis, mon cher, travail a fonctionné le samedi, tout le monde travaille le samedi. Comment faire pas qu'à travailler le samedi? Non. Je dis, monsieur, ouais, pour travailler, pour samedi, je préfère pas jamais travailler dans la vie, même pas bien travailler le samedi. J'ai crié. Le monsieur, ouais, ça, monsieur, a parlé avec madame et petite li, et puis c'est toi qui est responsable, un présent. Et puis monsieur, il a dit, à contracter quand même. Et puis il a contracté. Yo contracté pour intelligence, parce que je suis intelligent. Si je parle en portugais dans 2 mois. Et puis, même pas trop ça, vin élève moi. Ouais, vin élève moi à toute madame, des professeurs anglais. Come on, man. Speak English. You have a big chance. You know, have a big chance. You feel more confidence. You see? That's why you have to speak English, my friend. Do your best to speak English. It's easy. You can speak it in 6 months. That's why I'm come here to teach you. O ka pale anglais na 6 mois, se pou ete sa m vin ansenyon la. Dégageons pour parler anglais. Do your best. OK? Vamos lá. M va partager ensemble avec 8 F de la vie. 8 F's of life. 8 F's ay au moins metel nou séminaire. Mais c'est des bagailles motivation, c'est celui des motivations de l'autre branche. Mais pour quelques F, ça, on me mettait là. Même pour parler de toutes 8 F, on va passer là-dedans. Il y a une première F qui permet de parler anglais, ou qui est capable d'un obstacle pour le monde pas parler anglais, c'est financial. Man, financial. Et problème l'argent. En plus, le monde t'a apprendre anglais, mais il n'y a pas de code pour payer, il n'y a pas apprendre. Deuxième F là, c'est fitness. Fitness, là, on parle de fitness là, c'est pas une fitness de bodybuilding, c'est pour gros neck. Non, on parle de fitness de mental. De mental. Et ça veut dire santé. Il y a qui pas qu'à apprendre. Il y a qui pas l'esprit, qui pas apprendre, qui pas graver en rien. Et bien, si vous avez problème pour graver, si vous avez problème pour mémoriser, si vous avez problème pour apprendre, là, puis big challenge for you to speak English. La plus grosse difficulté pour vous parler anglais. Vous comprenez? L'autre F là, c'est freedom. Ah, freedom pas tellement posé sous lui, mais il y a des gens qui n'ont pas de liberté tout pour apprendre. Peut-être mari, peut-être petit, peut-être si vous n'avez pas à l'école. Mais avec technologie, malgré ça, vous n'avez pas arrêter pas apprendre si vous voulez apprendre. Par exemple, moi-même, je fais cours à distance. Ou là, caillou, et puis, mon côté mien, je fais cours à distance. Ou à suivre, et quand on parle devant, tout ça, je dis, je vais yo, je vais écrire, après. Et si on ne peut pas faire de pour sortir, ou pas peut-être petit bébé, peut-être madame, ou pas vous sortir, si vous voulez apprendre anglais avec moi, ou capable. C'est seulement écrire, pour contacter moi, mais écrire ou bien écrire sur WhatsApp, sur email moi. Et puis, quel que soit quand on est dans le monde, je suis beaucoup à distance. Ouais, et puis, je peux parler anglais sans pas déplacer. Malgré que je n'ai pas de liberté, je peux parler anglais sans ma ou pas connaître. OK? Là, je peux parler de family. Family, ça c'est pour l'autre séminaire. Fun too. Sixièmement, c'est friends. Man,
sou vle parler anglais, faut gen des amis. Et amis pour gen yo ses amis qui parler anglais. Si se pon fè amis qui pa parler anglais, fè si se pon gen amis k'ap gaspiller temps, cherche ses amis qui parler anglais pour faire dialogue ensemble avec en anglais. Cherche ses amis dans Facebook et dans WhatsApp. Écris en anglais. Et puis ou apwè, ou parler anglais rapide. Que ce soit vivre mon pays qui pas parler anglais ou pas des amis qui parlent anglais, comment peut faire parler anglais? La difficile mon ami. OK? Si vous voulez parler anglais, cherchez des amis qui parlent anglais, créez un habit, un coutume pour parler anglais ensemble avec vous. Et pourtant, les amis, parce que si vous pas des monde pour faire pratique, vous pas parler anglais. Parce que l'anglais a dit practice makes perfect. C'est pour faire pratique pour qu'avine puis bon dans l'anglais. Et pour faire pratique, à qui est-ce que vous faire pratique? Imaginons, Marou pas parler anglais ou bien madame ou pas parler anglais. Si mon ne pas parler anglais, celle qui gagne pour ta parler anglais, yo ne kala pas parler anglais. Et puis tout le monde pas parler anglais. Comment on peut faire parler anglais? Faut que moun ki parle anglais pour capable faire pratique. M'pa konsou d'accord ensemble avec. Mais même sou pas d'accord ensemble avec, ça me joue c'est ça. Followers, nous pas parler sur ça, mais n'a parler sur dernier qui c'est faith. Pourquoi ça fait un pile là nous pas arriver parler anglais, nous pas arriver réaliser rêve nous? C'est parce que nous pas gain la foi. You don't have faith. You have no faith, my friend. You don't believe in yourself. Premièrement, vous devez croire en God. Trust in God. C'est peut-être ça Amérique toujours devant. Parce que in God we trust. Vous avez non même l'argent, vous mettez in God we trust. Et puis là, vous finissez tout. Yes, we can. Ça, c'est le slogan. Yes, we can. Vous pouvez toujours en premier. Et bien, il faut croire en tête. Faith, quen a tetou. Believe in yourself. And mette sa nan tetou. Yes, you can. Yes, I can. Je mette nan tetou mwen. Yes, I can speak Portuguese in 2 months. And I did it. De di m ka pale Portuguese nan 2 mois, et m fèl. Te ge zanmim ki di, ou pa ka fèl, se pa vre, gen moun ki gi 4 nan Brésil, yo pa pale portugais, koto pa pale nan 2 mois. You know what, ou konen sa m plus remen, le yo di m pa kapab. When you say, I can't do it, and I'm gonna prove you, I could do it, and I did it. And I could do it one more time. Lo di m pa kapab, ma moutou ke m kapab, e m ka moutou m fèl encore. Ok? You should believe in yourself. Believe in yourself. Trust in you, my man. You can do it. You can fail. It's easy, my man. If I do it, you could do it too. Si m fail, you can fail too. You can apprendre anglais dans 6 mois. You can apprendre quelque chose en anglais dans peu de temps. You have to believe in yourself. Okay? How many words we need to know to speak and write English fairly well? Combien mots, combien phrases nous devons connaître pour nous capables parler anglais très bien? You need to know 2,000 or 3,000 words to speak English. Au moins, vous devez connaître 2,000 à 3,000 ou 3,600 mots pour parler anglais. 3,500 words. Pour PPT, 2,000. On en met 2,000. 2,000 mots pour parler anglais. Est-ce que c'est un problème pour apprendre 2,000 mots? Ou bien 2,000 phrases? C'est pas un problème. Pour parler TOEIC américain, 2,000. Upper limit, 5,000. Pour dépasser limite, pour parler bon anglais, vous pouvez connaître dans le crâne tête 5,000 phrases. How many words human can learn every day? Combien de mots que l'homme est capable d'apprendre par jour? How many words?
Shooter, combien on pense? 50. 50. 50. 50. L'homme n'a pas capable d'apprendre par jour. On fait un calcul. Si tu as baissé tout l'objectif pour apprendre 50 mots par jour, durant 180 jours, 180 jours qui égale à 6 mois, combien de mots tu apprends? 900, par contre, tu as un clisseur, à qui? Ici, 50 mots par jour durant 6 mois, ou que tu apprends 900 mots durant 6 mois. Combien de mots besoin pour parler? 2000, ou que tu apprends 9000. Bon, on dit si 53, on nous mette 50, on nous descend à 10. Si tu descends à 10, durant 6 mois, ou que tu apprends 1800 mots. Eh bien, 1800 mots, ou manque combien là? Ou que 2000? Ou manque 200? 200, ça, non, semaine. Elle dit, pendant 6 mois, ou que tu apprends 1800 mots, 1800 phrases. Ou manque 200, ça, non, 2 semaines. Ou pas prendre. Et puis, soit dans 6 mois et quelques semaines, ou parler anglais tranquille. What's your obstacles? Qu'est-ce qui est obstacle qu'il y a pour apprendre anglais? Talk to me. Dis-moi. Desire to learn. Gapilan, nous ne sommes pas restés mouillés. Nous pas gué désir, nous pas désirer, nous pas doué, nous pas voulu apprendre. C'est pas réché nous. Nous l'école, nous pas tirer bon note. Nous pas étudier. C'est peut-être ça, nous pas qu'à apprendre. Moi-même, je parle portugais dans 2 mois. Je étudie en pile. Mais étudie dans nuit coule la journée. Je peux pas travailler, je peux pas travailler. Les amis, ils travaillent. Ils travaillent après-midi. Ils n'ont pas de travail à soir. Ils comptent 4 du matin, ils n'ont pas de travail. Je peux pas étudier. Je ne peux pas bête. Vous connaissez Haïti, vous apprenez moins bien. Vous apprenez moins bien. Je ne peux pas. Yes, I do it. Yes, I did it. That's why I speak Portuguese. C'est comme ça, je apprends portugais. Parce que je fais, je bats paquet. Étudier portugais paquet. This is my dream. It was my dream. C'était rêve, moi. I deserve to learn Portuguese. And I did it. I learned it. You know, vous connaissez qui ça, your Warren Buffett dit? Warren Buffett dit, more you learn, more you earn. Plus vous apprenez, plus vous gagnez. Et bien, c'est comme ça, plus vous apprenez, et bien, plus vous gagnez. Non seulement je travaille ensemble avec le patron, et puis le patron vient élève moi professeur à toute madame ni qui ça me fait. Je gagne plus, je gagne notre travail, et puis je fais comme ensemble avec toi encore en tant que professeur. That's what it is, man. More you learn, more you earn. Deuxièmement, it's time. Faut créer temps pour apprendre. C'est pas suspendre, nous suspendre, garder télévision, toute la semaine, garder film, faire tripotaille. Apprendre, learn. Suspendre, faire tripotaille. Suspendre, régler les bagailles qui pas petit loin. Suspendre, marcher. Prends laptop ou prends téléphone ou prends livre. Apprendre, my friend. Pas fâché avec nous? C'est vérité, m'a parlé. Troisièmement, il y a un peu de monde, c'est. Money. Obstacle, c'est money. Je ne sais pas pour aller dans l'école. Je suis disponible. Je suis fait cours anglais pour dans le cellulaire. Je suis dans le cellulaire, je suis dans le cellulaire, ou suis internet sur le cellulaire. Je suis tout cours. Je suis pour cours. C'est comme si je suis ensemble avant. Pendant que je parle, je suis pour tout ça. Je suis ma montre. Je suis enseigné. Je suis montre prononcé. Est-ce que vous comprenez? À distance, là, avec téléphone, si vous avez des films porno, si vous avez des tétés sur téléphone, utilisez le téléphone, mettez 4 pour bagaille, c'est lié. Ici, l'école, pour petit pour l'école anglais, c'est 600 réals.
Si vous faites 600 réals pendant 24 mois, et c'est 2 ans, oui, pour apprendre portugais, anglais ici. 2 ans pour apprendre anglais. Ok, bon, on a 2 ans. Et t'as dit que moi-même, je vais dans 6 mois. Pendant 2 ans, ça, vous avez dépensé, vous avez dépensé 12 000 $, 12 000 réals. 12 000 réals, ça, vous cache ton machine ensemble avec elle. Et ça fait un pile ici qui quitte Haïti si on ne peut pas parler anglais. Là où il fait Brésil, on va foutre parler anglais encore. Parce que l'école anglais est trop chère. Fais un message là passé. Voyez, bah, ils ont mon qui Brésil. Moi, disponible pour enseigner en anglais à distance. Et ma pensée en anglais pendant 6 mois. Et avec un petit calbri. Moi, j'ai un autre séminaire encore pour faire. Côté m'a capable d'apprendre nous. Et quelques secrets. 9 secrets pour capable apprendre anglais rapide tout. Mais ma cap est là. Est-ce que vous avez son difficulté pour apprendre anglais dans 6 mois? Si vous croyez dans la tête, si vous avez des yeux pour apprendre, vous êtes capable d'entrer en contact avec moi même. Et puis, vous pouvez vous parler anglais rapide, ma pédion. Ok? Dans le numéro que vous avez, et vous mettez 41 devant sous Brésil, sous Haïti dans l'autre pays, vous mettez 55. Plus 41, on va mettre 41 en tout, et pour mettre 9, 9, 9. On va mettre 9 trois fois, on va mettre 40, 53, 80. OK? C'est plus 55 sur Haïti. Si c'est Brésil, on va besoin de mettre 55 là, on va seulement mettre 41. OK? 41, 999, 40, 53, 80. Ma mette dans description canal là tout et puis pas oublier inscrire dans canal là s'il vous plaît inscrire dans canal là et puis activer cloche là pour que capable recevoir et l'autre et coup nous gagne pour nous faire. OK, moi merci parce que vous avez participé ensemble avec moi dans séminaire ça, que bon Dieu capable bénir, que capable et qui séminaire ça capable motiver pour que capable faire succès dans l'anglais, pour que capable apprendre. Pas oublier, more you learn, more you earn. Plus on apprend, plus on gagne. OK? English is a world language. Anglais, c'est une langue qui est universelle, c'est une langue qui est mondiale. Pas de côté où aller, ou pas débourrer, ou pas déboucher avec anglais. T'as oublié tout ça. Mon partenaire, même de Haïti, qui était dans même l'école ensemble. Même pendant l'école ensemble, même t'es toujours à Balbacop pour apprendre anglais. Si c'est pas pour problème tant comme pas préparer ça m'a fait autant de voix monsieur de voye bon moi côté monsieur a dit Jean si c'est pas anglais ou t'es bon moi ou t'es aidé mieux actuellement là t'a des problèmes dans ce domaine. Il dit patron m'a travaillé ensemble avec là chance pour moi parler anglais moi pas parler espagnol moi rivé ce domaine c'est à l'aide des anglais patron a aidé me parler espagnol et puis il aidé me dans travail là moi comprendre moi foncer les bagages et puis m'a travaillé ensemble avec jusqu'à présent. More you learn, more you earn. Pas oublier ça non, more you learn, more you earn. Plus on apprend, plus on gagne. Trust in you. Believe in you. Yes, you can do it. Ou capable apprendre anglais dans 6 mois. Yes, you can do it. You can learn English in 6 months. Just believe in you. Believe in yourself. Okay? God bless you.